Salut les voyeurs. C'est moi qui tiens le manche ce matin. C'est bien, maman. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Moi, j'ai déjà bien chargé. On a déjà parcouru 15 km. Oui, on vient de quitter l'hôtel. Ouais, ouais. Et là... On prend une route qui est commerciale, super empruntée. Ouais, par des gros camions. Et puis, avec tous ces éboulements, il y a de la poussière partout. Ouais. Beaucoup de personnes devant chez eux arrosent, ça fait de la boue. On a l'impression de rouler au Cambodge, tu te rappelles ? Ouais, 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 oh, terrible. Voilà. Donc le souci, oui, oui et non, de toute façon on n'a pas le choix, on a 6 heures de route là. C'est la seule route, on ne peut pas prendre l'autoroute nous, donc c'est la seule route pour accéder au moins jusqu'à la Hokkaï. Après, et peut-être qu'il y en aura moins des éboulements, j'en sais rien, après je ne sais pas ce que ça moins donne. Moins de terre après les éboulements, ça, bon, ouais. ils sont là, mais moins de terre, parce que là c'est insupportable. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je sais déjà que ce soir il va falloir washing. Eh oui, pardon, laver le linge. Go. Ouais. Allez, ça commence. Xin ciao. À peine 35 km d'avalé, c'est déjà la pause. De la cannelle séchée. C'est ça? Oui. En fait, en passant sur la route, une odeur, mais vraiment puissante quand même, m'alerte. Moi, j'ai que de l'odeur de poussière de camion, mais bon, après, j'avais raison. Je m'arrête, je vois ces dames qui travaillent sur le bas-côté. Donc, derrière toi ici, la cannelle... C'est l'écorce, ils viennent juste de l'enlever. C'est l'écorce, encore, exactement. Ouais. Et donc, ils font sécher, et au fur et à mesure, tchou, ça devient tout petit. Et elle m'a fait goûter un petit bout. C'est moi qui l'ai. Hey. Donc je vais regoûter devant vous. C'est hyper puissant en goût. Hein. Ah oui, c'est, ouais, ça fait drôle. Même. Ça picote même un peu la langue. Ouais. Et je pense que c'est des cannelles peut-être qu'on va retrouver chez nous, je ne sais pas. Ou pas. Il ne nous reste plus que 172 km, donc c'est normal de prendre son temps, de rigoler avec ces dames, de faire des selfies. Bah, c'est dans ces moments-là qu'on peut passer de bons moments, tu vois, ça fait une pause, on se décontracte. Ouais, ouais, un petit peu les fesses, les jambes. Allez, go. Bye, tambiet. Bye bye. Il y en a qui sèchent devant toutes les maisons. Et c'est fou parce que dans chaque village, un peu sa spécialité. Ici, c'est la cannelle et... Un peu plus tôt, sur la route, c'était l'eucalyptus, tu sais, comme d'habitude. Et ils font des feuilles pour faire le contreplaqué, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on verra ce qu'il y a après. On vous en parlait à l'instant. Ouais, hein, le séchage des feuilles d'eucalyptus, des plaques. Ouais. Qui... Et ben voilà, allez. On peut avancer maintenant? Ah bah écoute, ça monte. On va essayer de se trouver un petit coin pour me boire un verre parce que ça fait presque 2 heures qu'on roule là. Hop hop hop. Très bien. Parfait. Ouh. Ah oui. C'est la pause. Ça fait du bien de s'asseoir. Ouais, 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 ouais. Ouais, autrement que les jambes écartées. Ouais. 60 km déjà. Ouais. On a mis 1h45. Oui, depuis qu'on vous a dit la route est défoncée, il y a beaucoup d'éboulements, beaucoup de camions, il n'y a plus rien. Ça va un peu mieux. Ouais, ça va un peu mieux. De temps en temps encore, mais c'est mieux. On fait une pause dans le magasin de ce monsieur. Il est super gentil, très gentil. Il est très gentil. Merci beaucoup. Ah, il connaît quelques mots de français. Il a repéré qu'on était français. Ouais, ouais. Et... Donc on a pris un thé à la pêche et une bouteille d'eau, 60 centimes. Alors là... C'est au ras des pâquerettes. Ouais, ouais, vraiment. Des fois, je me demande comment ils font. Parce que ça fait 7 000 la bouteille d'eau. 7 000 donc, c'est le prix dans un,
un Circle K ou un 7-Eleven, ouais. Voilà, donc c'est pas grave. Ouais, il y a un petit salon de coiffure. Ouais, on va là. Vous montrer, il y a moyen de se faire couper les cheveux. Ouais. Bon, pour moi, c'est raté, ouais. Mais c'est bien, c'est bien. Et pour moi aussi, c'est raté. Donc, on a fait un tiers du parcours. Oui. On n'est pas encore arrivé. Et on va attaquer la montagne tout à l'heure, ouais. En fin de journée. Mm-mm. Comme on vient de le préciser, donc, vous avez sa boutique qui est juste ici. Et là, vous pouvez donc vous faire couper les cheveux. Il me semble que c'est la jeune fille qu'on a vue tout à l'heure qui coupe les cheveux. Nous, je pense que c'est bon pour le moment. Il n'y a pas besoin, maman ? Non, il n'y a pas besoin. Bon, bah alors, tout va bien. Encore une réponse à une interrogation. Comment est l'accueil dans les villages, ouais, entre autres, au Vietnam ? Eh ben, on va avoir encore un bel échantillon, on peut dire. Oui, on est invité à déjeuner avec eux ce midi. Le monsieur est tellement content. Il nous a dit, je vous invite à manger. Il ne doit pas en voir souvent des voyageurs se promener avec le petit scooter et passer ici. Allez, c'est parti, maman. Prenons place avec toute la famille. On est chez eux là maintenant. La boutique se trouve juste ici, hein, bien sûr. Et là, on est dans la maison. Merci beaucoup. Merci, bel accueil. Ouais. Nous sommes tous réunis autour du repas, donc salade de fleurs de bananier, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Ici, c'est de la viande, je ne sais pas quelle viande. Petite soupe de légumes, le riz évidemment, de quoi assaisonner son riz. Bon appétit. Simoï. Simoï. Ah, ok, ok. Donc, ce monsieur nous présente les différents aliments. Donc, on ne s'est pas trompé, c'était bien de la feuille, la fleur de bananier, pardon. Par contre, la viande, c'est du pigeon rôti. Eh bien, c'est excellent, le pigeon rôti. Petite information supplémentaire, dans ce petit bol ici, c'est un plat traditionnel vietnamien mariné avec des légumes. Et ici, donc, comme je l'ai dit, une soupe de légumes. D'accord. Bon appétit, hein. Le repas était succulent. On termine bien entendu avec un petit thé. Mais alors celui-ci, c'est la première fois à la fleur d'oranger. C'est rarement, c'est souvent un thé vert, assez amer un peu, mais on s'y est habitué depuis. Mais là, très très bon. Thank you, bye bye. Bye bye. Tambiet. Ils étaient gentils. Ouais, adorables. Ouais. Avancé, on a parlé assez vite, je pense. Depuis qu'on a repris la route, c'est de nouveau le bazar. Mais bien, quoi. km plus loin, nouvelle pause. Et je me suis pris un petit café. T'as bien fait. Ouais. Bien, j'ai trouvé un endroit confortable pour s'asseoir. On va être bien là. On va être bien, on va être bien. De toute façon, on sera bien. Ce sera toujours mieux que la selle. Allez, petit scarabée. Ouais. Reprenons la route. On a encore, deux heures. Ouais, c'est ça. Bye bye.
même plus. Non, ça va, ça roule. Il est 3h moins 10, il nous reste 30 km. À partir d'ici, on ne fait que monter. Donc on va boire un petit verre. Enfin, la bouteille d'eau qu'on a en fait. Allez, c'est parti. 30 km de grimpette, enfin un peu moins, 25. Il me semble qu'on arrive. Ouais. Maintenant, il faut trouver l'hôtel Himalaya. Ah ben, il y a en face, Himalaya Hostel. Et voilà. Welcome to Sapa. C'est Wiki qui voulait dire que je dis ça. Je trouve ça complètement nul. Welcome to Sapa. Bienvenue à Sapa, enfin. Ah, bienvenue à Sapa. Nous sommes français. Bien sûr. Cet hôtel, pour l'instant, pépite. Ouais. On est à 100 mètres du lac. Du lac, ouais. On s'en fout, on s'y baigne pas. Regardez la taille de cette chambre, immense quand même. Le lit, king size. Ouais. Petit salon, armoire, c'est propre. Ah, on est bien, on est bien. Ventilateur, ouais. Il y a bien évidemment, il y a la clim. Ouais. Hop, bon. Salut. Ah, je suis pouilleux, plein de poussière. On est sale. Ouh là là. Donc, clim, je pense qu'on n'en aura pas besoin parce qu'il caille. T'es dans la montée, là, en t-shirt, là. Bon, la télé, toujours pareil, peu d'importance. Mais on a une bouloir. Ouais, salle de bain. C'est propre. C'est vraiment très propre. Je tiens à le souligner. Ouais, ouais. Nickel. On paye ici 12 euros. 99, 13 euros. 350 minutes. 13 euros, franchement, ça vaut le coup. Petit déj compris. Petit déjeuner compris, bien sûr. Et le Wi-Fi, il envoie du lourd. Ouais, il y a Toco, ouais. Donc ça, c'est bien. Donc déjà, non, tu coupes pas Wi-Fi. Je coupe pas du tout. Il y a une grande baie vitrée. Fais voir un contre-jour. Je l'ai montré, la baie vitrée, déjà. J'ai pas vu. Donc, on va se prendre une petite douche. Ouais. On va se mettre des vêtements un peu plus chaud. Et puis, on va aller manger maintenant. Ouais. Tout beau, tout propre. Ouais. Même la lessive, c'est déjà terminé, ça sèche. Mais en plus, on est opérationnel. La clim est réversible, donc on a le chauffage. Et là, c'était mieux ça. Le chauffage, la clim, il n'y en a pas besoin en fait. Hein. Ouais, le chauffage, ça fait plaisir parce que déjà le linge va sécher plus rapidement. Exactement. À droite, main haut. Il caillette un peu, quoi. Ouais, ouais. C'est pas la même température qu'à Yen Bai. Hein. Non, pas du tout. Toujours prévoir un petit guilet si vous venez à Sapa. Mamour se précipite vers le lac. Suivons-la. Ah là là, il est trop fort ce Wiki. Il me dit, viens, on va faire un tour du lac. Quand on est monté en début de séjour avec la famille, ouais, les cousins, on l'a fait 10 fois le tour du lac. Mais c'était nuageux, on n'avait pas cette jolie vue. C'est chouette comme ça. C'est superbe. Voici la raison pour laquelle nous voulions revenir à Sapa. Ouais, une des raisons pour lesquelles. Ce sont des petits gâteaux à la châtaigne. Ils sont vraiment excellents.
L'idéal, c'est de les trouver chauds parce que quand ils sont froids, ils sont moins terribles. Mais là, thank you. Oh, le goulaf, il a déjà mangé un bout. Oui, j'ai croqué un bout. Oh là là. Regardez un peu. Oh. C'est encore tout fumant, c'est ouais, très bon. C'est très bon. Nous sommes là pour remercier les tipeurs qui ne sont autres que Fanfan et Fernand. Ainsi que Valérie et Laurent. Merci beaucoup pour votre générosité. Grâce à vous, on peut se régaler. Ah ouais. Oh là là, c'est bon. Et là, on se régale, hein. Ouais. On n'aurait pas eu la même idée? Je fais caca. Il n'y a pas moyen d'être tranquille. Tout le temps, elle est là devant ces photos. J'en peux plus. Toujours aussi jolie, cette église Notre-Dame du Rosaire. Mais qu'il est tard, les amis, la nuit vient de tomber. Tard. Et 19h10. Eh oui, c'est tard. Ah, on va pas se coucher tôt, c'est sûr. On se promenait, bon an, mal an. Et sur qui on tombe? Bon an, mal an, j'adore. Sur qui on tombe? Anthony et Mélie. Oui, oui, oui. Deux génial. Abonnés qui sont ici en voyage à sapin. La trentaine. La ça trentaine. Nous change. On ne comprenait pas tout. Ouais. Les expressions ouais. De base, en mode. Mais bon. Du coup, nous, on leur a balancé bon an, mal an. Ils ouais. N'avaient pas celle-là. Non. Nous non, non plus, d'ailleurs. Nous non plus, parce qu'on pensait que ça voulait dire une chose et ça, on voulait dire une autre. Mais c'est pas grave. Donc, ce soir, pour le repas, ban kwan pour ban ma. Kwan, donc, ouais. Ce sont des raviolis vapeur avec du champignon noir à l'intérieur. Ouais. Et je change pas une équipe qui gagne. Hein. Soupe de bœuf. Exactement, c'est très bon pour la santé. Mais moi, ça me va très bien pour le soir. Comme ça, c'est bien. Alors, ça cette part. Journée, cette ouais. Journée quand même. Oui. On n'a fait que rouler. Oui, ben on vous avait prévenu la veille. On vous emmène avec nous, ben ouais, il faut faire avec. Ouais, ouais. J'espère que vous n'avez pas trop mal au popotin. C'est ça, notre vie de voyageur. C'est pas. Ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. C'est un peu compliqué quand même. Ça a été, ça a été, ça a été. Et oui, parce qu'en fait, il faut rouler hein, pour arriver à destination. Oui. La téléportation, on est bien d'accord, ça n'existe pas. C'est une invention de maman. On vous a déjà fait le coup plusieurs fois. Je vois que certains picorent, y croient. Ça fait plaisir. Ouais, ouais. Demain, donc, ça part une visite. Qu'on n'a jamais faite en vidéo. Enfin, en vidéo. Nous, on est déjà allé deux fois, mais on n'est jamais fait de vidéo donc, sur ce lieu. Rien que pour vous, demain, une vidéo exceptionnelle. Ouais, ils annonçaient, c'est pour ça qu'on est venu, une fenêtre au niveau de la météo. De beau temps. De beau temps, mais en fait, pour un an, j'ai regardé, c'est moyen, mais on va le faire quand même, tant pis. On va croiser les doigts, même si ça ne sert à rien. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, et on vous dit... Bonne nuit, les petits. On peut manger maintenant, c'est bon.